Hello, hello! Bonjour tout le monde! Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que vous êtes là? Dites-moi, dites-moi. Bonjour, bonjour! Ah, ça y est, coucou Sandrine, comment vas-tu? J'espère que vous allez bien. Coucou Martine. Bon 1er mai à tout le monde. Hey, coucou Sandrine de Norvège. Comment vas-tu? Ça me fait trop plaisir que tu sois là. Coucou Christelle. Bonjour, bonjour. Alors, dites-moi juste rapidement si vous m'entendez. Coucou Laurence, j'espère que tu vas bien. Merci Christelle, c'est gentil. Alors, coucou André. Oh, mais avec plaisir, c'est normal, ça me fait plaisir. J'espère que vous allez bien ce 1er mai. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous en profitez pour vous poser tranquillement. Petit café, petit thé et vous profitez. Coucou ma petite Maroutine. Bonjour Sandrine. Merci beaucoup. Bon 1er mai à toutes et à tous. Je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un super projet qui a eu l'air de beaucoup vous plaire. Donc j'espère réussir à vous transmettre les instructions le mieux possible. Coucou ma petite Viviane. Bonjour Isabelle, merci beaucoup. Bon 1er mai également. Je vais tout d'abord eh bien, me présenter pour les personnes qui me rejoignent pour la première fois. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Harmonie Marais, démonstratrice Stampin' Up depuis 3 ans et demi. Et on se retrouve chaque semaine pour un live créatif. À chaque fois, je vous propose des projets différents, intégralement réalisés bien sûr avec les produits Stampin' Up, mais pas d'inquiétude. Vous pourrez sans problème réaliser les projets avec ce que vous avez chez vous. Si vous aviez envie de reproduire à l'identique eh bien, ces projets, je vous invite à vous rendre sur mon blog harmoniescrap.fr où vous retrouverez bien sûr la liste des articles que j'aurai utilisés. Attention cependant, aujourd'hui c'est un petit peu exceptionnel. Les produits que j'utilise sortiront cette nuit. Dès demain, donc vous n'aurez pas tout de suite cet après-midi la liste de ces fameux articles, mais ne vous inquiétez pas, elle sera disponible dès demain. Ça ne vous empêche pas de prendre en note les références aujourd'hui qui pourraient éventuellement vous plaire pour les garder dans un petit coin d'ici demain. Coucou Martine, bienvenue, bonjour Rachel. Alors, ben justement, les articles qui seront disponibles demain. Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que déjà, vous avez encore la possibilité aujourd'hui de vous faire plaisir avec les liquidations qui sont en cours jusqu'à ce soir pour profiter des superbes réductions du catalogue annuel 22-23 qui, voilà, disparaîtra cette nuit. Du mini catalogue aussi, janvier-avril 2023, qui lui aussi tire sa révérence ce soir. Donc il y a encore plein, plein, plein de possibilités pour vous faire plaisir et eh bien dans ces catalogues. Donc n'hésitez pas, rendez-vous sur ma boutique et utilisez le code de test que vous voyez ici apparaître. Ça vous permet simplement et eh bien de recevoir un petit cadeau de ma part le mois suivant. Coucou ma petite Maroutine, comment vas-tu? Ah, ça me fait plaisir que tu sois là. Si t'es dispo, c'est sympa. J'espère que tu vas bien. Et eh bien, pour fêter cette grande sortie de catalogue annuel, donc dès cette nuit, eh bien, j'avais envie de vous gâter. Vous avez vu déjà différents clubs sortir. Pour la plupart, ils sont clos. Mais en ce qui concerne le club Color Ta Vie et le club Incolor, eh bien, il est ouvert toute l'année. Donc, vous pourrez vous inscrire au mois de mai pour commencer votre club, par exemple, au mois de juin, sans aucun souci. Bonjour Anne-Lise, coucou ma Vanesse. Donc, pas d'inquiétude, vous pourrez en profiter. On a un an pour explorer ce catalogue, donc pas de panique. Hello Cécilia. Et du coup, pour fêter encore mieux cette sortie de catalogue, eh bien, j'avais envie de vous gâter. Et pour cela, eh bien, je vous propose tout le mois de mai, toutes les commandes d'un minimum de 80 euros
passez sur ma boutique hors frais de port. Attention, je précise, hors frais de port. Entre le 2 et le 30 mai, eh bien, ces commandes seront automatiquement éligibles au tirage au sort qui aura lieu donc le 31 mai ou le 1er juin, je verrai. Mais en tout cas, automatiquement, eh bien, vous pourrez tenter votre chance pour gagner la collection complète, pas uniquement le papier, la collection complète auberge de campagne. Vous allez voir, elle est juste incroyable. Oui, ça me fait plaisir, Cécilia. Bonjour, Martine. Coucou, Lola Scrapette. Voilà, vous avez toutes les infos. J'espère que cette perspective de remporter une collection complète, eh bien, vous enchante. Donc, les commandes sont ouvertes dès cette nuit. Et vous pouvez commencer à commander donc dès cette nuit à minuit. Et n'oubliez pas donc d'utiliser le code hôtesse donc, qui est là, ici, pour les commandes inférieures à 200 €. Mais vous trouverez sur mon blog toutes les informations concernant le code hôtesse, où le mettre sur la boutique, à quoi il sert, comment l'utiliser, etc. Donc n'hésitez pas à vous y faire un petit tour. Trêve de bavardage, je vous propose que nous commencions eh bien, le projet, la fameuse carte 3 diamants qui a été plébiscitée et je vous en suis très reconnaissante, vraiment. Je rappelle que la majorité des projets que je vous propose, eh bien, je ne les ai pas inventés, mais comme beaucoup de mes collègues, je n'ai pas cette prétention. Je transmets. Voilà, je retravaille le projet, je fais une fiche technique la plus complète possible et pour vous transmettre, je suis un peu une passeuse de projet avec, je l'espère, un maximum de pédagogie. Martine, je suis bien désolée qu'il y ait de l'orage, bon, s'il y a le moindre souci, il y aura le replay, ne vous inquiétez pas, sur harmoniescrap.fr, vous aurez le replay du live, la fiche technique complète, donc pas de souci. Bonjour Eliane, comment ça va? Alors, on va basculer sur mon plan de travail et vous allez pouvoir découvrir la création, les papiers que j'ai utilisés, tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser le projet à votre tour. Bonjour Suzanne, un brin de muguet pour plein de bonheur à tout le monde, ça c'est gentil. Merci beaucoup de la part de toute la communauté. Merci André. Ah oui, coucou Amandine, ça fait plaisir que tu sois là, j'espère que tu vas bien. Salut Macam. Allez, c'est parti. Eh bien, voici... Allez, on va faciliter le champ de vision. Regardez déjà, voilà la carte que nous allons faire ensemble aujourd'hui. En tous les cas, j'admire vos tutoriels, les détails sont au top. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Martine, ça me touche vraiment. Vous scrapez en même temps. Ah mais oui, vous êtes ensemble Camille et Vanessa, c'est chouette. Gros bisous les filles. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui, cette belle carte 3 diamants. Hop, voici l'arrière. Bonjour Chantal. Merci Harmonie pour ces tutos si bien. C'est gentil Chantal, merci beaucoup. Coucou Isabelle, c'est gentil que ça vous... Je suis contente que ça vous plaise. Vous allez voir, ça peut paraître impressionnant, mais voilà, il y a beaucoup de plis, mais finalement, c'est pas compliqué. Donc voilà ce qu'on va faire. Et puis, regardez, elle tient debout. Donc ça, c'est assez sympa aussi. Ouais, c'est chouette, Amandine, ça fait plaisir. Coucou Monique. Oui, elle porte bien son nom de carte 3 diamants, Martine, en effet. Un petit bijou, c'est vraiment, elle est vraiment superbe. J'ai craqué quand je l'ai vue, je me suis dit, allez, je la travaille et je la propose. Bon 1er mai, Monique, merci beaucoup. Donc, cette carte, elle a été réalisée. Eh bien, à bientôt, Chantal, merci d'être passée. Pour le papier, eh bien, c'est Auberge de campagne, la collection que je vous propose de remporter à la fin du mois. Coucou Laurence. Merci Lolo. donc, c'est Auberge de campagne. Et puis, du coup, j'ai mixé avec les marguerites de la collection Fraîche Marguerite. C'est vraiment des collections qui sont absolument splendides et qu'on peut, vous voyez, sans problème combiner. C'est super. Coucou Stéphanie, comment ça va? Donc vraiment, ça, c'est l'idéal. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a plus le chat qui s'affiche. C'est curieux, mais bon, on va voir. Donc, auberge de campagne, je vous montre le papier tout de suite. Alors, pour information, je n'ai pas encore le lot qui va avec, mais ça ne saurait tarder.
Ici, vous avez un aperçu des tons, des couleurs unies, coordonnées avec la collection Auberge de campagne. Coucou Catherine, le petit poupon d'or, eh bien, profites-en. C'est cool Stéphanie, ça fait plaisir. Donc on a Bleu Bohème, nouvelle incolore, Béguin Bleu, un de mes chouchous, vous le savez. Un retour, Mystérieuse Brume, et ça je sais que vous êtes très nombreuses à être ravies de le retrouver. Et Bleu Nuit, donc vraiment un camailleux de bleu qui est absolument extraordinaire. Alors, je vous montre un aperçu de ces papiers. Très joli. Des fleurs magnifiques. Regardez-moi ces petits lapins trop mignons. Ils sont trop choux. Bonjour Nicole, bienvenue et bon 1er mai également. Ici, on a des magnifiques petits oiseaux qu'on peut aussi envisager de s'amuser à coloriser. Bonjour Sabrina, bienvenue. Voilà, on a des tons un peu plus, des motifs beaucoup plus simples au verso. Et donc là, vous reconnaîtrez... Oui, Annelise, je sais, les grenouilles. Et donc, j'ai utilisé ce papier pour la première version de ma carte. On peut vraiment imaginer toutes sortes de créations avec ce papier. On peut vraiment... voilà, utiliser différents thèmes, que ce soit enfantin ou pour des mariages, ou vraiment, il y a vraiment plein de possibilités. Oui, Lolo, il y a des grenouilles dans mon jardin, il y a une mini-mare et elles sont en forme, c'est le printemps. Voilà, ça fait beaucoup rire mes abonnés, ça devient, je sais pas, la mascotte. Voilà pour cette collection, donc un petit peu de patience pour découvrir en réel le lot, puisque comme je vous disais, je ne l'ai pas encore. Cependant, vous pourrez, si vous avez le catalogue entre les mains, trouver cette collection à la page 62. Hop. Ouais, j'ai des crapouillots, c'est ça. Alors, toc, ça va aller ici. Hop, je le pose là. Merci beaucoup. Et je cherche, voilà, aujourd'hui je vais travailler avec Fraîche Marguerite. Alors là on a beaucoup plus de couleurs unies, c'est vraiment génial. Mais alors là c'est idéal pour la saison je trouve, ces marguerites sont extraordinaires. Ah super pour le catalogue Sabrina, ça me fait plaisir. Voilà, on a toutes ces couleurs unies qui se retrouvent dans ce papier. Je vous approche pour que vous voyez un petit peu mieux. Alors, on a des nouvelles couleurs, des anciennes, mais cette collection met vraiment très, très en avant les 5 incolores. Donc, ça, c'est vraiment super. Si vous voulez, par exemple, acheter les lots de papier incolore où vous avez 4 feuilles de papier uni des 5 couleurs, c'est assez sympa. Ça complète parfaitement bien cette collection. Et du coup, ça vous permet d'aller dans différents tons. Ça peut être très sympa. Et avec, on a bien sûr... un set de tampons et des poinçons qui sont magnifiques aussi, hein, ne nous le cachons pas. Ok, vraiment superbe, 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 j'adore. Je vais vous montrer le papier un peu plus en détail tout de suite. Voilà, donc déjà on a envie de se plonger dedans, n'est-ce pas Sandrine qu'elle est belle? Elle est incroyable. Alors, on a des tons beaucoup plus soft à l'arrière. On retrouve un petit peu le pan-pan-pan aussi qui est de retour. Voilà, et la mise en avant de nos incolores. C'est vraiment, on a envie de se plonger dans le bouquet de fleurs. Ici, eh bien, vous avez la possibilité de découper chaque partie pour en faire des cartes toutes simples. Bonjour Daniel, bienvenue. Ici, on se pose la question de savoir si les marguerites sont des abeilles ou pas. On peut se poser la question, c'est très sympa. Voilà, un ton un peu plus soft. Et je crois que celui-ci, c'est ma page préférée de toute la collection. Oui, vraiment, j'adore. C'est vraiment magnifique. Le mélange de chameau de cuivré avec le bleu bohème, elle est incroyable cette page, vraiment. Hop, et voilà, on a l'impression que les versos sont peints. Un vrai bonheur. Si je vous montre un petit peu mieux comme ça.
Voilà, on a vraiment des tons différents, mais c'est absolument magnifique. Oui, il est vraiment incroyable parce que du coup, on a quelque chose de très soft au verso et des tons, c'est vrai, peut-être des motifs un petit peu plus chargés à l'arrière, au recto, mais franchement, ça pose aucun problème, quelles que soient les créations, ça peut être très très sympa. Aujourd'hui, je vais utiliser ce papier, ce recto-ci, pour réaliser donc ma carte 3 diamants. Donc je vais faire toujours une base en blanc, mais je vais utiliser comme couleur unie eh bien, le mauve mélancolique. Alors attendez, mon zoom est un peu long à se remettre en place. Allez, ça c'est très très agaçant, n'est-ce pas? Allez, alors si je reviens là, non. Bon, alors en attendant, je vais rapprocher. Ah, bah voilà! Donc je disais mauve mélancolique qui fait partie hein, de ces belles couleurs. Vous allez voir, ça va être très chouette. Ça va être différent, mais très joli aussi. Rachel, c'est une de tes collections chouchou. Ah, ça m'étonne pas, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec. Bonjour Nadine, comment vas-tu? Alors, je vais laisser la carte là pour l'instant et je vais récupérer mon matériel pour pouvoir vous montrer comment faire cette belle carte 3 diamants. Alors, je prends tout ça. Donc, peut-être avez-vous eu le temps de... Avez-vous envisagé de réaliser la carte en même temps que moi? Dans ces cas-là, je vous invite à vous munir de votre papier. J'avais... Donc, donner une liste hein, de matériel. Oui, Claudine, il est vraiment magnifique le nouveau. Alors, voilà, je prends mon papier. Coucou ma petite Fafa, comment vas-tu? Pour l'instant, je mets les autres de côté. On va vraiment d'abord, dans un premier temps, se focaliser sur la base de la carte, puisque en vrai, c'est vraiment la partie la plus longue, je ne veux pas dire la plus difficile. Nicole, vous essayez de scraper en même temps? Génial. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Si on prend le temps et qu'on observe bien chacun des plis à faire, vous allez voir, ça va aller tout seul. Alors, voilà. Je vais me faire un petit peu de place. Je prends mon coupe-papier. Voilà. Vous aurez besoin donc de votre coupe-papier, de votre plioir en os, d'une règle et d'un outil pour plier le papier. Mais d'abord, dans un premier temps, on va travailler avec le coupe-papier. André, vous tentez aussi? Bon, alors, si vous avez un doute, n'hésitez pas à prendre une feuille de brouillon, d'accord? Comme ça, vous en rangerez moins si jamais vous avez un petit raté. C'est souvent ce que je conseille quand on a un petit doute. Voilà, on prend une feuille de brouillon comme ça. Il n'y a pas de déception à ce moment-là. Il vous faut donc un morceau de papier uni qui mesure 24,1 par 17,2. Si vous n'êtes pas à l'aise et que vous ne voulez pas scraper en même temps, pas de souci, ne vous inquiétez pas. Après le live sur harmoniescrap.fr, vous retrouverez la fiche technique complète avec les mesures et avec le schéma concernant la base de carte, vous allez voir, où je répertorie le tout. Donc, ne soyez pas stressés du tout. L'essentiel, c'est que vous passiez un bon moment. Donc, cette base de papier, nous allons tout de suite venir marquer quelques plis dessus. C'est bon, vous êtes prête? On y va? Alors, on démarre. Nous allons positionner le papier du côté 24,1 ici. Et nous allons, dans un premier temps, marquer 4 plis ici. Merci Laurence. Alors go, c'est parti. Le premier, il est à 6,4.
Go, Marie-France, c'est parti. 6,4 pour le premier pli. Le second à 9,2. 9,2. Six virgule quatre, 9,2. Ensuite, 14,9. 6,4, 9,2, 14,9. Et pour finir ici, on passe à 17,8. Ok, alors je vous répète ces mesures. 6,4, 9,2, 14,9 et 17,8 cm. Ok, et on est bien sur le côté de 24,1. Alors, je vous invite à être attentive, vraiment si vous scrapez en même temps que moi, d'accord, pour bien regarder ce que je fais avant de vous lancer pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc là, on vient de faire nos plis, d'accord? Nous allons faire deux petites marques sur ce papier, d'accord? Mais nous allons le faire sur le verso. Donc là, on a notre papier, on vient de faire les plis. Regardez, je retourne et je bascule au verso. D'accord? Et nous restons sur le côté de 24,1 et nous allons positionner le papier à 12,1. Le principe, c'est simplement de venir faire une toute petite marque en haut et en bas, toujours à 12,1. Pour ensuite tracer correctement les futures diagonales. D'accord? Donc je recommence. Ici, nous avons marqué nos 4 plis 6, 4, 9, 2, 14, 9 et 17, 8. D'accord? Je retourne mon papier pour avoir le verso. Je le place à 12,1 et je viens simplement faire une petite marque en bas et une petite marque en haut. Pour faciliter les futures diagonales que nous aurons à tracer tout à l'heure. J'espère que c'est OK. Je sens que toutes les personnes qui scrapent en même temps sont très concentrées. Donc, je continue tranquillement. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez le moindre souci. Mais pas de panique surtout, vous pouvez retrouver le replay. Donc, ne vous inquiétez pas. André, c'est bon. Coucou Mumu. Alors. Maintenant, nous allons retourner le papier. Donc, on revient sur le recto du papier. D'accord? Ok. On vient le positionner à 17,2 ici. D'accord? Et là, il s'agit de venir faire des coupes. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est vous montrer un aperçu du schéma global. Pas de panique. Toutes les diagonales sont dessinées, mais pas de panique. D'accord? Je vous montre. Donc, pour l'instant, nous avons fait, si vous regardez bien, les mesures qui sont inscrites en vert en haut du schéma. 6, 4, 9, 2, le 12,1, c'est les petites marques au verso. 14, 9 et 17, 8. OK? Maintenant, nous allons nous attaquer aux deux traits rouges qui sont au centre. Vous voyez? Pas de panique, Annelise. Tu vas voir, on va faire ça tranquillement. Donc là, vous avez deux traits rouges au centre, d'accord, que nous allons venir simplement couper. Dans ma légende, sur mes fiches techniques, les traits rouges correspondent aux coupes. OK? Le principe va être de positionner notre papier une première fois à 5,7, une autre à 11,5 et de venir couper en fait entre les deux lignes horizontales les plus excentrées. OK? Alors, j'ai mon papier ici à 17,2. Je viens le placer à 5,7. Faites ça déjà. OK? On vient le positionner à 5,7 cm. Bonjour Nadine, comment ça va? Et nous allons donc. Bonjour Christiane.
C'est bon pour vous? Super. Et nous allons donc venir couper entre... Est-ce que vous voyez les plis? Tout à l'heure, on les voyait super bien, mes lignes de plis. Et là, on ne les aperçoit plus du tout. Ah, on les aperçoit peut-être un peu là. Si je zoome. Non, pas du tout. Bref, c'est pas grave. Alors, on va couper entre la première ligne de plis horizontale et la dernière. D'accord? Donc, je place mon papier à 5,7. Ouais, ça doit être le soleil, je sais pas. Je descends ma lame de coupe-papier et je viens simplement couper entre la première et la dernière ligne de plis horizontal. Si vous préférez le faire au cutter, n'hésitez pas, hein, sentez-vous à l'aise. Voilà, ok. Donc là, j'ai une ouverture qui se crée. Ici, donc, bien entre ma première et ma dernière ligne de plis horizontale, en ayant placé mon papier à 5,7. Si on détaille et qu'on y va tranquille, normalement, on devrait y arriver. Coucou Christelle, bah oui, on n'est pas dimanche, on est bien lundi. Puis je me suis dit que ça ferait plaisir à certaines d'entre vous qui ne bossaient pas aujourd'hui de pouvoir se crimper un petit peu en live. On va faire exactement la même chose, même style de coupe, au même endroit, mais cette fois, en plaçant notre papier, toc toc toc, on file à 11,5. D'accord? Je me place à 11,5 ici. Voilà. Et on va venir donc couper, pareil, entre les deux lignes de plis. La première et la dernière. Je vérifie, il me manque un demi millimètre là. Ça me paraît pas mal. Voilà. Donc, cette fois, pour le coup de papier, ça va être bon. On va se servir maintenant de l'outil de pli et de notre règle pour venir dessiner donc les différentes diagonales. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Je vais juste cacher ce qui ne va pas vous être utile. Voilà. Ici, on a les deux autres là sur les côtés, mais on ne s'en sert pas. D'accord ? Coucou Maria Isabelle, comment vas-tu ? Ici, vous avez un aperçu, donc, sans les deux parties rectangulaires, hein, d'accord? J'ai posé mon papier, on a les deux lignes de coupe qui sont passées à l'horizontale, d'accord? Ok? Et du coup, mon papier, il est censé être comme ça. Donc là, je cache l'extérieur, vous n'en avez pas besoin pour l'instant. Tout va se focaliser au centre, entre nos lignes de plis, d'accord? Et du coup... Voilà, on va simplement dessiner des diagonales, tout bêtement en fait, d'accord? Chaque point va rejoindre un autre point. Celui-ci là, toc toc toc, il va aller tout en bas. Vous voyez, c'est très simple, il va simplement falloir rejoindre des points entre eux en pliant, tout simplement. Ça peut paraître impressionnant de voir autant de lignes d'un coup, je vous l'accorde. Ceci étant dit, ça a un côté géométrique assez sympa. Pour les gens carrés et tout qui aiment bien, ça peut être fun. Voilà. Il suffit simplement de regarder comme il faut le schéma, de bien voir quel point rejoint quel autre point. D'accord ? Ici, celui-là, toc toc toc, il va redescendre à droite de la ligne de coupe. Vous voyez, le point de la ligne de coupe ici va descendre tout à fait en bas de la ligne de pli verticale. Voilà. Tout simplement, il suffit de regarder et de suivre les points à relier. C'est tout. Donc, pas de stress. Alors, je vais laisser ça ici, si mon zoom veut bien
être sympa, à moins que je vous mette le schéma. Je ne sais pas ce qui peut vous être le plus utile. Est-ce que le schéma vous paraît plus clair ou est-ce que vous préférez, avec un bon zoom évidemment, voilà, ou est-ce que vous préférez ceci? Ça ressemble un petit peu à du patchwork. Oui, pourquoi pas, en effet, c'est vrai que ça peut avoir un petit côté patchwork. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Les deux, trois premières qui vont me répondre l'emporteront sur la visibilité. Aucun doute que nous y arrivions, tes schémas sont très clairs. Merci beaucoup Suzanne, c'est très gentil. Mon bureau, ok. Et la carte aussi pour Nicole. Alors c'est parti, je vous laisse donc ici. Toi, c'est fait, Marie-France. T'as déjà relié tous les points, là? Sandrine, le bureau pour toi aussi. Bon, ok. Alors, c'est parti. Eh bien, maintenant, il ne nous reste plus qu'à rejoindre tous ces points. T'as tout relié, Marie-France. Alors, toi, t'es incroyable. Incroyable. Speedy Gonzalez. Il ne te reste plus qu'à faire le montage, hein, Marie-France, en fait. Montagne, vallée, si tu as fait une capture petite chippie, eh bien tu vas pouvoir le faire sans problème. Alors, oh, je prends ça, je vais aller ouvrir la porte à mon chat qui est en train de mourir derrière la porte. Oui, Nala, allez, rentre, dépêche-toi. Voilà. Hop. Et donc c'est parti. Tu m'attends? D'accord, Marie-France, pas de soucis. Alors, moi, je vais prendre mon Stampin' Pierce en dessous. Hop, c'est parti. Alors, eh ben on y va. Donc, ce point-là, il rejoint la ligne de coupe. Ah, va faire le gros câlin à ton petit-fils ou ta petite-fille, d'ailleurs. Ma petite Catherine, merci d'être passée. Bah, bois ton café, Marie-France, pas de souci. Le Stampin' Pierce, en fait, c'est un tapis en mousse qui permet notamment de faciliter eh bien, ce genre de choses, de marquer le papier, notamment. Ça abîme moins le papier et ça le marque mieux. Ça peut aussi servir quand on a des fleurs ou des cercles auxquels on veut donner une forme. Le fait que ce soit sur la mousse, ça permet au papier de mieux prendre la forme. Voilà. Toc. C'est vraiment la partie la plus... Allez, la plus longue, on va dire. Mais, en soi, c'est pas compliqué. Donc... Je vais essayer de respecter mon schéma, ça serait bien, ça m'éviterait de faire une boulette. Donc celle-ci rejoint là-bas. Soyez vigilante au niveau de la coupe, d'accord? Si vous appuyez trop fort, vous risquez de trouer le papier. Donc il faut juste faire attention à ça, à l'intersection. Christelle, tu n'as pas vu le projet, ça va être la surprise pour la fin. Si tu veux, je te le montre, hein, il est juste à côté de moi. Voilà. Il faut faire des plis. J'ai uniquement marqué les diagonales. André, on a fait des plis au début? Juste les lignes de plis du début, simplement. J'en suis où? Oui. Celui-ci. Toc. Ça rejoint ici. Voilà. C'est pareil quand vous arrivez au niveau du bas de votre papier. Oui, mais sur les pointillés. Les pointillés, c'est les diagonales, c'est les lignes de plis. Et ici, c'est ce qu'on a fait au tout début. Les lignes verticales, André, c'est les lignes du début que nous avons fait ensemble. À 6,4, 9,2, 14,9 et 17,8. Alors, ça, et il me reste celle-ci dans ce sens-là.
qui rejoint celle-ci. J'essaye de rester focus parce que du coup, à répondre aux commentaires en même temps, je suis capable de ne pas aller plier au bon endroit. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, mes 4, c'est bon. Maintenant, je pars dans l'autre sens. Voilà. Hop. Donc, ici. On s'amuse à dessiner des losanges. Ensuite, elle est où ma ligne? Là. Celle-ci, donc, rejoint ici. C'est OK, André, pour vous? J'essaye de ne pas mettre ma tête dans le champ, mais... Celle-ci rejoint le bas. Retour à l'école, c'est ça, Claudine. Mais bon, c'est quand même un peu moins pénible qu'à l'école, hein. On s'amuse un peu plus. On peut pas les faire au massicot. Tenter, mais ça risque d'être un petit peu moins... un petit peu moins... pratique pour rejoindre les différents points. Mais tenter, Martine, hein, pas de souci. Où est-ce que je me suis plantée, moi? Vous voyez, à force de papoter, elle rejoint. Alors, je me doutais que ça m'arriverait en faisant en même temps. Je vais reprendre celle du haut qui rejoint celle-là. J'ai l'impression de m'être trompée quelque part en faisant ma diagonale. C'est mieux de mettre la tête dans le champ qu'ailleurs. Merci Sandrine. Aïe aïe aïe. Tac. Ok. Et du coup... Camille, nickel. Écoute, mais moi je me suis plantée là. J'ai dû me planter quelque part. Hein. Je vous assure que j'ai un bug. Tac. Mais Marie-France y est arrivée, donc ça veut dire que normalement tout va bien. Voilà. Alors. Ok. Alors, est-ce que j'ai pris... mes bonnes mesures. Ouais, Marie-France me dit c'est nickel, donc il n'y a pas de raison. Peut-être que je m'emballe pour rien. Ok, bon. Alors, toutes mes diagonales sont tracées. Non, il m'en manque une là. Ah non, c'est bon. Ok, tac, tac. Ouais, ça a l'air de ressembler. C'est ok. Alors, maintenant... il va falloir simplement plier pour pouvoir arriver à... Attention Christelle, je montre le projet. Nous allons arriver à ça. Donc, il va falloir donner des formes à notre papier. Donc, là peut-être que je vais mettre le schéma parce que du coup vous avez... Il doit y avoir une erreur dans le deuxième pli sur les 24-1. Ah bon? Ah bon? Alors, 6-4. Vérifier en même temps sur ma carte. Hein. Voilà. J'ai fait mes schémas en fonction de la carte, donc ça m'étonne. Là, je suis bien à 9-2. Anise, t'as comme le schéma. Bon. Merci Christelle. Non, pour l'instant, pourtant j'ai... Bon,
1, 14, 9, 17, 8, 12, 1. Non, non. Allez, on marque les plis. Vous avez indiqué sur les schémas, le schéma, les vallées et les montagnes. Donc, vallée, c'est vers le bas. Montagne, c'est vers le haut. Pas de souci pour l'utilisation du massicot. Faites-vous plaisir. Hop. Voilà, mon plioir. Coucou Corinne, oui, pas de souci. Voilà. Ça vous aide d'avoir le schéma et d'avoir les... Comment dirais-je? Les plis. Donc. Donc je plie en même temps. Hein. Hop. Montagne. Oula. Et montagne. Bon premier mai, Nadège. Oui, je sais qu'on voit pas ce que je fais, Martine. Juste, je montre le schéma déjà. Voilà, il y en a qui vont pouvoir faire une capture d'écran et qui seront plus à l'aise à voir les montagnes et les vallées. Et dans 2 secondes, je vous montre déjà les premiers plis que j'aurai fait pour que vous puissiez vous rendre compte. En même temps, je fais juste le marquage. Comme ça, ça vous laisse le temps. On manipule le papier en douceur, d'accord? Pour ne pas l'abîmer. Toc, et il me reste cela. Toc, toc, il m'en reste un. Non, il m'en reste 2. Voilà, montagne, montagne. Celui-là, il part comme ça. Donc. Coucou Nani du 31, pardon. Mon 1er mai également. Il y a beaucoup de plis, hein, c'est vrai. Alors, oui, je l'ai pas assez bien marqué. Donc, il fait le rebelle. Voilà, je pré-marque, comme ça je vais pouvoir mieux vous montrer après le pliage. Les adeptes de l'origami vont s'éclater. Vraiment, je le marque mieux ici avec mon plioir. Voilà, le plioir en os est votre ami pour ce passage, n'est-ce pas? Tac. Tac. Coucou Patricia! Oui, moi aussi, le soleil il est un petit peu timide, mais il a l'air de vouloir faire une apparition. Attention, tout le monde, accrochez-vous, ce sont les montagnes russes. C'est exactement ça, Suzanne. Tac, tac. Ok, ça commence à prendre forme. Donc, vous voyez, les montagnes viennent vers moi et les vallées descendent vers le plan de travail. D'accord? Hop. Voilà, et on guide le papier tranquillement. Morceau par morceau, on... comme on lui fait quand même beaucoup de plis hein, à ce petit papier là, il faut vraiment l'aider avec le plioir en os. Hein. N'hésitez pas, petit bout par petit bout, à l'aider à prendre la bonne forme. Voilà,
Ça fait penser un peu, vous savez, au jeu qu'on avait à l'école, là, où on mettait des petits messages cachés à l'intérieur. C'est pareil. Tac. Voilà. On y va tranquille. C'est un jeu de patience, hein. C'est vraiment un jeu de patience. Le jeu des quatre coins. Oui, coucou ma petite Fabienne. Aucun problème, il y a toujours le replay, t'inquiète pas. J'ai pensé à toi en début de live en disant tiens. Je ne m'en sors pas entre montagne et autres. Je vais vous montrer dès que j'aurai fini de marquer tous mes plis, vous allez voir. Qui est en montagne? Vous voyez les M sur le schéma, Nicole? Les traits où il y a marqué M, eh bien, ça, ce sont les plis en montagne, donc les plis qui montent. Et les autres, ce sont les plis en vallée. Donc vers le bas, vers votre plan de travail, quand le papier est face à vous. Prends le raccourci. C'est pas bête. Les verticales vallée et oblique montagne. Mais bravo, Annelise. Alors, à quel moment? Vous inquiétez pas, je suis en train de faire une petite vérification sur ma carte qui a décidé de pas se plier comme je voulais et pourtant elle est identique à mon original. Je comprends pas. Il y a un truc que je piche pas. Fais une vérification, hein. Bougez pas. 5, 7. Fais comme chez toi. Merci Claudine, c'est gentil. Je comprends pas, mes mesures sont vraiment identiques. Ah non. Ça y est, j'ai trouvé. Je vous ai donné les bonnes mesures, sauf que moi, comme je papotais avec les commentaires, je me suis gourée. Et du coup, j'ai pas fait le bon pli à 5,7. Je l'ai fait à 5,1. La petite coquine. Chez vous, ça a bien fonctionné. Eh ben, c'est parfait. Franchement, ça me rassure. Ça me fait super plaisir. Alors, plutôt que de perdre du temps, à refaire mon papier devant vous et tout, surtout que vous, je vous ai donné les bonnes mesures, vous avez le bon schéma, que ça fonctionne chez vous. Il est quand même un petit peu idiot de vous faire perdre du temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si j'avais fait le bon, mais je vais pas coller, je vais continuer à vous donner les mesures, etc. Je vais vous montrer comment faire le montage des petites marguerites. Et puis, bah, vous aurez la surprise, eh bien, au replay. De voir la création terminée. Comme ça, peut-être que ça vous donnera envie d'aller jeter un œil sur mon blog harmoniescrap.fr pour découvrir à quoi elle va ressembler. Donc pas de panique, tout va bien. Pour marquer vos plis, effectivement, la réflexion d'Anise était judicieuse.
Eh bien, tout ici, les lignes sont en vallée, donc toujours pliées vers votre plan de travail. Et les obliques, ou autrement appelées les diagonales, eh bien, elles sont toutes en montagne. Et il suffit, en fait, voyez, là, la diagonale ici, hop, en montagne, puisqu'elle revient vers nous. Idem pour celle-ci, toc, en montagne. Et après, la ligne droite ici, eh bien, on va tranquillement donner la forme vers le plan de travail, vers le bas, d'accord? Et après, le principe va être de ramener donc la partie gauche sur la gauche et la partie droite ici sur la droite. Et on va se retrouver avec des losanges. D'accord? Si vous arrivez à faire le premier, c'est exactement la même chose pour les trois autres en bas. D'accord? Donc, je répète une dernière fois, les diagonales ici, ce qui est en croix, on les plie en montagne, donc vers vous. Donc la première et la deuxième, d'accord, vers vous. Et donc la ligne au centre, eh bien, vers le bas, comme ceci. Et ensuite, on aide le papier à prendre la forme du losange sur la gauche, mais également, toc, sur la droite. D'accord? Et on se retrouve comme ça avec un losange, et du coup, s'il n'y avait pas moi l'écart de quelques millimètres, hein, eh bien, ça n'arriverait pas, ça serait beaucoup plus joli, vous allez voir. Ok? Donc, si je vous remontre avec la carte ici, vous voyez, on a bien les diagonales ici qui sont en montagne, et la ligne droite ici en vallée. Et du coup, toc, 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 c'est magique. Quand on referme, voilà, eh bien, on a bien tout nos losanges. Ok, j'espère que ça vous aura aidé de voir un petit peu cette manipulation de la carte. Je vais vous donner les mesures des papiers pour la décoration. Donc je vous avais dit que je partais donc sur du mauve mélancolique parce que j'utilise donc ce papier à motif de la collection Fraîche Marguerite. Donc les papiers de matage, il vous en faut 4. 16,8 par 6 cm. Donc ces papiers de matage unis, ils vont à l'avant sur les deux panneaux avant, mais également, toc, je retourne à l'arrière pour eh bien, décorer un petit peu votre arrière et que vous ayez aussi de la place pour écrire un message en ajoutant du papier blanc. Il faut de la patience et ne pas être dérangé. Oui, oui, c'est ça. Alors quand on papote et qu'on répond aux commentaires en même temps, eh bien, voilà. Voilà ce qui se produit. Donc ça, c'est les matages unis mauve mélancolique nouvelle incolor qui va aller super bien avec le papier à motif qui, lui, mesure en hauteur 16,4 et en largeur 5,6. Il en faut donc 2 pour les deux panneaux avant de votre carte. D'accord? Je vous fais grâce du moment collage parce que ça, hein, vous avez compris. Les deux morceaux de papier blanc font exactement les mêmes dimensions que le papier à motif à l'avant, mais ils vont à l'arrière, d'accord, avec le matage mauve mélancolique, encore une fois, pour mettre du papier pour pouvoir écrire votre message, parce que non seulement elle est belle, mais en plus vous allez pouvoir l'envoyer, et il faut que vous puissiez mettre un petit mot quand même dedans. C'est quand même plus agréable. Et ensuite, pour eh bien, nos trois losanges, ici, il vous faut trois petits carrés qui mesurent 3,6 par 3,6 et il en faut 3, tout simplement, qu'on viendra coller sur l'avant, ici, des losanges. Coucou ma petite Cyrielle, ça va ma bichette? André, vous avez réussi le premier losange. Félicitations et vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Donc, les trois morceaux de papier, les trois carrés, qui viendront donc se coller sur vos trois losanges qui ont été faits au moment de votre pliage. Si vous avez envie, ici, vous voyez, j'ai laissé mon papier uni, d'accord? Vous pouvez ou le passer dans un classeur de gaufrage, mais vous pouvez aussi choisir de mettre du papier à motif dessus. Pour cela, eh bien, vous pouvez
retirer à peu près 0,4 cm, donc passer à 3,1 par 3,1 si vous voulez mettre du papier à motif. Il y a plein plein de possibilités, vous le savez. Oui, ça va Cyrielle, je te remercie ma biche, c'est gentil. Et pour la déco, eh bien, j'ai découpé donc des marguerites, forcément, dans le lot que je vous ai montré. Oula, c'est rien, c'est mes blocs. Dans le lot fraîche marguerite. Alors, je lis le message d'André. C'est la première fois que je réussis un pliage en direct. Bravo pour vos explications qui me permettent de progresser. André, vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Surtout qu'en plus, moi, je me suis plantée, hein, j'ai envie de vous dire. Et du coup, de savoir qu'une novice a réussi à faire ce genre de pliage et en live, ça veut dire que vous avez été suffisamment calme. Et vraiment, ça me touche énormément, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup de me l'avoir écrit, André, vraiment. Donc, ces petites fleurs, elles viennent pas du set, du coup, parce que là, je me suis juste servi des découpes, d'accord, qui sont là. Donc, un morceau, deux morceaux, trois morceaux. Et du coup, en trois couleurs. Nicole, moi aussi, c'est une première en direct. Ah, c'est trop gentil. Du coup, vous y arrivez, Nicole? Ça le fait? Ça va aller, votre carte, vous allez réussir à la monter. Donc, voilà les trois morceaux que j'ai découpés. Deux en blanc et un en mauve mélancolique pour rester avec les mêmes tons. J'adore ce pliage, j'ai hâte de refaire la carte. Bravo, Harmonie. Merci, Daniel. Et du coup, il suffit simplement de les superposer. Quand vous aurez ces poinçons découpés dans les mains, n'hésitez pas à faire des petites marques pour trouver le sens du collage. Mon papier blanc, je l'ai mis où? Eh bien, à l'arrière, Marie-France. Attends, ne bouge pas, je te remontre la carte. La base de ma carte est en blanc. J'ai mis du papier uni bleu bohème en matage et j'ai remis du papier blanc pour pouvoir écrire mon message, Marie-France. Est-ce que c'est clair pour toi? Et du coup, il me reste... Donc j'en ai déjà... Tiens, j'ai une guêpe qui s'invite. Ah non, c'est une abeille qui s'invite. J'ai déjà monté la première. Donc, ça fait une superposition très très jolie. Ça donne du relief. Je trouve ça vraiment chouette. Voilà. Donc là, c'est ce que je vais faire tout de suite, juste pour monter la dernière, pour vous la montrer. Donc, je me suis fait des petites marques pour voir où coller. Parce que quand on l'a une première fois dans les mains, on se sent parfois peut-être un petit peu bête en disant « je n'arrive pas à trouver le sens ». Mais après, ça vient tout seul, ne vous inquiétez pas. Alors, voilà, vous allez voir, c'est super joli. Et puis le fait de pouvoir créer des fleurs comme ça, juste avec des poinçons, moi j'aime beaucoup l'idée aussi. C'est vraiment chouette. Alors, hop, un petit peu de colle. Vous pouvez aussi utiliser les feuilles d'adhésif hein, que vous collez directement sur le papier blanc ou de couleur. Et comme ça, vous aurez déjà l'adhésif. Ça sera assez chouette. Et du coup, voilà. Toc. C'est vraiment trop chouette. Ouais, c'est tout facile, t'as raison. J'ai mes deux marguerites qui sont magnifiques. Et du coup, ce que je vais faire, c'est prendre mon plioir en os et du coup donner un petit peu de forme à cette marguerite. Comme ça, je pourrais faire comme sur la première version, coller avec de la mousse 3D. Voilà, et on aura un petit peu plus de volume. Vous voyez, elle est un petit peu... Les bords sont un petit peu relevés. C'est ce que j'ai fait ici, sur celle-là, vous voyez. Les bords sont un petit peu incurvés. Tu vas être obligée de les commander, Cyrielle. C'est trop bête. Merci, Harmonie. Tes explications sont très claires. J'ai réussi la carte. Christiane, je suis trop contente. Il faudra surtout, surtout, surtout partager vos créations, vos versions sur les réseaux, que je puisse la voir, parce que vraiment, j'ai hâte de voir ce que vous en aurez fait. Je suis très très impatiente. Et du coup, vous verrez la mienne aussi. Mais après. Et du coup, voilà. Les pétales sont incurvés. J'ai mis une mousse 3D à l'arrière pour la coller.
Voilà, ça donne un petit peu plus de volume au motif, à la carte. C'est vraiment très très sympa. Et la petite touche quand même qui est indispensable, c'est... Alors, je ne sais pas si vous voyez sur... Là, mais je suis pas sûre, sûre avec la lumière. Non, on voit pas très bien. Mais j'ai ajouté, évidemment, le Wink of Stella, des petites paillettes pour donner un petit côté bruyant. Brillant, pas bruyant, pardon, à cette marguerite. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Je vais faire ça sur les deux. Du coup, on aura vraiment la petite touche qui tue. Bon, c'est vrai qu'avec les lumières, c'est vraiment dommage. Ça m'agace que vous ne voyez pas suffisamment bien. Alors. Non, à l'image, voilà, à la vidéo, on ne le voit pas très bien. Mais bon, je ne cours pas après le papier. Mais les poinçons et les dies, ouais, mais si, si, le papier, je t'assure, il est super beau. Et pour finir, eh bien, dans le set de poinçons, on a aussi une étiquette. Et du coup, je vais utiliser le sentiment merci d'être toi, en fait, tout simplement celui-ci, que je vais tamponner. Alors, cette fois, pas en mauve mélancolique, mais en blé sauvage, puisqu'on retrouve la couleur dans mon papier design. Donc, simplement pour faire un petit rappel. Donc, merci d'être toi. Voilà. Le magnifique blé sauvage. Là, ça tombe pile poil dans l'étiquette. Donc, c'est super chouette. Voilà. Donc, ça va habiller. C'est vraiment la même couleur. Ça a presque un petit côté doré qui est assez sympa, je trouve. Voilà. Et sur mon papier blanc qui ira donc à l'arrière, je vais rajouter le sentiment ton amitié est précieuse qu'on retrouve aussi en... voyez, les deux sentiments. Ton amitié est précieuse et merci d'être toi est ici. Coucou Ali, ça va ma biche? Et du coup, alors surtout, surtout, je le répète souvent, mais parce que c'est important, n'oubliez pas de toujours tamponner votre papier blanc si vous souhaitez le décorer, mettre un message ou des motifs. Toujours tamponner avant de coller pour que votre tamponnage soit vraiment optimisé et optimum. Là, on est sûr que c'est bien à plat et tout, vraiment, on est sûr que ça sera vraiment joli. Si vous tamponnez sur du papier qui a déjà été collé, d'abord vous avez la colle qui n'est pas forcément sèche. Et puis vous avez aussi les différentes épaisseurs de papier. Il suffit que voilà, vous ayez mis plusieurs couches ou que ça ne soit pas très lisse. Et du coup, votre sentiment sera foiré et une partie de votre carte aussi. Donc ça serait vraiment trop bête. Voilà, et du coup, on est vraiment dans les mêmes tons de couleurs. Et voilà, du coup, eh bien, très exceptionnellement, vous ne voyez pas tout de suite la deuxième version de ma carte, du projet du jour. Mais il s'agit de quelques minutes, le temps que je refasse ma base pour que je puisse après tout monter. Vous inquiétez pas, ça va aller très très vite. Vous pourrez retrouver donc sur mon blog harmoniescrap.fr, eh bien, toute la fiche technique, le replay de la vidéo pour pouvoir faire et refaire cette carte. Je suis très très fière de vous parce que plusieurs parmi vous ont réussi à faire les pliages et le montage de la carte en live. Donc c'est extrêmement satisfaisant et c'est vraiment hyper agréable. Donc merci beaucoup. Ça veut dire que a priori j'ai réussi à vous transmettre, même en faisant une boulette moi-même. Donc c'est plutôt positif, j'ai envie de vous dire. Hein? Ça me fait vraiment très très chaud au cœur, donc merci beaucoup. J'espère que les personnes qui m'ont rejointe pour la première fois ont passé un bon moment en notre compagnie. Merci Marty, merci beaucoup beaucoup beaucoup. Avec un beau professeur, tout va. Merci Suzanne, vous voyez, le professeur n'est pas infaillible et je trouve pas ça si mal non plus, hein, en vrai, c'est comme ça. J'ai réussi à la faire le pillage, bravo Sandrine. On est très fiers de toi pour toutes tes explications. Merci beaucoup.
Ah, vous êtes trop mignonne. J'ai tous les commentaires qui défilent en même temps trop trop vite. J'ai pas le temps de tout lire. Je les lirai après, je vous promets. En tout cas, merci beaucoup. Merci Ali, merci Nicole, merci Anne-Lise. C'est trop gentil. Surtout, surtout, hein, n'oubliez pas de partager vos créations. Je suis sûre qu'elles vont être magnifiques quand vous aurez fini votre déco. Donc, partagez-le. Et n'hésitez pas à mettre le hashtag Harmony Scrap en un seul mot. Pour que je puisse être notifiée, que je puisse les voir aussi. Christelle, pour une fois, j'ai pu le faire en direct. Ah, bravo Christelle, super. Il n'y a que celui qui ne fait rien, qui n'y arrive pas exactement. C'est génial. Je vous remercie vraiment beaucoup du fond du cœur d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un beau moment. Si vous êtes en replay, n'hésitez pas à faire un petit coucou dans les commentaires. Et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, le replay, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Ça sera un vrai bonheur et je vous en serai très reconnaissante. Je vous souhaite une très très belle après-midi et je vous donne rendez-vous bien la semaine prochaine pour un nouveau live créatif. Et puis dans la semaine pour de nouvelles inspirations. Et n'oubliez pas la petite surprise, eh bien le tirage au sort à la fin du mois de mai pour toutes les commandes à partir de 80 € hors frais de port. Vous pourrez gagner la collection Auberge de campagne. Oui, il y a les petits oiseaux, mais c'est dans le jardin, Daniel. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup et à très très vite. Ciao, ciao!